présente aujourd'hui notre 370e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Un Boeing de la Malaysia Airlines aurait été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine. Rebelles et partisans du gouvernement de Kiev se rejettent la responsabilité. Qu'en pensez-vous? Écoutez, nous traversons une période de turbulence historique, puisque nous arrivons dans les jours qui, il y a 100 ans, ouvrirent l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire du monde, c'est la Première Guerre mondiale. C'est en effet entre fin juillet et août que s'enclenche cette immense confrontation meurtrière, puisque ça part de l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, pour se terminer par un conflit qui fera peut-être 15 à 20 millions de morts. Et aujourd'hui, on voit se multiplier un certain nombre d'incidents qui sont attribués à des différents pays, à des conflits, comme si l'histoire semblait souffler sur les braises. Quoi qu'il en soit, la disparition de cet avion, et au passage, je voudrais témoigner de notre sympathie et de notre affliction à l'égard des familles et des personnes qui sont mortes dans cet accident ou cet attentat ou cet incident, on ne sait pas. Toutes les hypothèses sont permises. À ceci près que j'ai noté que tous les commentateurs ont sélectionné tout de suite, sans avoir de raison précise de le faire, l'hypothèse d'un tir de missile qui aurait abattu l'avion. Alors je trouve assez étonnant que l'on ait écarté et que l'on continue d'écarter dans le débat une hypothèse qui pourtant devrait être très vraisemblable, c'est l'attentat terroriste commis contre l'avion lui-même, une bombe dans l'avion, ce qui n'est pas invraisemblable compte tenu des formalités qu'on nous impose dans les aéroports, où on nous fait enlever nos chaussures, nos ceintures, etc. Les portables sont vérifiés, donc c'est qu'il y a un risque d'attentat dans l'avion. Et cette hypothèse semble parfaitement écartée. Or, c'est vrai que l'avion, la Malaysia, compagnie qui va probablement ne survivra pas à ce deuxième attentat, ce deuxième incident. La première, je le rappelle, on n'a jamais retrouvé l'avion. C'est qu'on a sans doute pas travailler sur la bonne hypothèse, ou que plutôt on l'a écartée délibérément. Je me permets de la rappeler, parce qu'elle n'est jamais évoquée, c'est que qu'est-ce qui aurait pu conduire des pilotes fanatiques à s'emparer d'un avion, sinon à vouloir le jeter sur une cible adverse. Or, la seule cible adverse dans cette région, c'était la grande base américaine de Diego Garcia. Et il n'est pas du tout impossible que, voyant l'avion se diriger vers Diego Garcia, les Américains aient préféré prendre le risque de l'abattre. Mais ça, c'est une hypothèse qui est blasphématoire. Donc elle ne sera pas suggérée, même si elle a été esquissée à un moment donné. Et qu'on ait cherché exactement à l'inverse géographiquement, me paraît participer aussi de la manière de détourner les situations. Quoi qu'il en soit ici. Et on se pose la question seulement de savoir est-ce que ce sont les rebelles, enfin, ou les indépendantistes du Donbass, pro-russes, ou les Ukrainiens qui auraient tiré. Il semble que les rebelles ou les indépendantistes n'aient pas les armes nécessaires pour toucher un avion qui marche à 900 à l'heure à 11 000 mètres d'altitude. Mais ça peut être aussi une bavure, ça peut être une arme sophistiquée, comme en possède l'armée ukrainienne, et qui soit partie accidentellement. Rappelle que en France, on ne sait pas encore comment a disparu la Caravelle, mais on pense maintenant sérieusement que ce pourrait être un missile de la marine nationale qui l'aurait touché. Bref, ce sont ces choses. Moi, j'ai fait un petit croquis qui montre qu'en tous les cas, me semble-t-il, alors que l'avion, les débris de l'avion sont tombés à 50 km de la frontière russe,
Il a dû exploser, quelle que soit la cause de l'explosion, à au moins 30 km avant. C'est-à-dire plus loin, c'est-à-dire à 80 km de la frontière. Est-ce que cet espace, est-ce que c'est la largeur de l'espace du Donbass que contrôlent les indépendantistes? Je n'en sais rien. Mais je suis étonné de voir qu'on n'ait pas étudié ces hypothèses qui participent évidemment de l'expérience aérienne, mais aussi des règles de la cinétique et simplement du simple bon sens, la chose qui manque le plus dans ce genre de circonstances. Merci beaucoup. La bande de Gaza, toujours pilonnée, des centaines de victimes. François Hollande accorde son soutien à Israël. Quel est le but de l'État d'Israël à ce propos, justement? Son argumentation, c'est qu'elle est obligée de se défendre préventivement contre les attaques que seraient susceptibles de lancer les gens qui sont à Gaza. Or, ceux-ci ne disposent d'aucun armement, si ce n'est de ces fameuses roquettes dont on peut s'étonner quand même que par centaines ou par milliers, elles tombent toujours dans des espaces vides. Ou en tous les cas, qu'elles ne causent pas de mort. Et le rapport qu'il y a entre l'agression subie, puisque je crois que Israël fait état d'un mort maintenant, et le nombre de victimes civiles, plus de 250, on ne sait pas, à Gaza, me paraît devoir être souligné. Je crois que cette population de Gaza est martyre, et qu'elle est traitée avec la connivence internationale d'une manière absolument inhumaine. Donc je crains malheureusement qu'il y ait là une source susceptible de déborder non seulement sur la région elle-même, mais même sur le monde entier, y compris dans notre propre pays, parce qu'il y a tout de même beaucoup de gens qui sont indignés de la façon dont sont traitées ces populations civiles et de la systématisation de l'assassinat de certaines personnes ciblées, on nous l'a expliqué à la télévision l'autre jour, ou même de bombardements aveugles, comme en pratiquaient d'ailleurs les flottes aériennes alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et alors justement, le drame qui se joue aura donc, comme vous le disiez, des répercussions sur les pays européens, la France notamment. Et alors justement, on vient d'apprendre ce matin qu'une manifestation de soutien justement à la Palestine, qui devait se dérouler demain à Paris, a été annulée, a été interdite ce matin sous décision du gouvernement. Oui, je pense que le gouvernement craint beaucoup une mobilisation de l'opinion favorable à la population gazaoui. Cela étant, je trouve même que, pour l'instant, il y a une relative indifférence de l'opinion, disons, musulmane pour être, à l'égard de ce problème. Ceci peut s'aggraver considérablement. Et on sait que les capacités de manifestation sont très au-delà des capacités que nous avons de maintien de l'ordre. Alors, l'interdiction va-t-elle être respectée? C'est peu probable. C'est donc qu'il faut s'attendre à des violences, à des chocs, et qui peuvent enclencher une série de conséquences qui peuvent être parfaitement dommageables à notre sécurité, qui pourtant, mon Dieu, n'a pas besoin de ça. Alors, Bachar el-Assad a prêté serment hier devant son congrès, puis déclaré, je cite, qu'il ne cesserait de combattre le terrorisme jusqu'à rétablir la sécurité à chaque coin de la Syrie. Que pensez-vous de cet homme-là? J'ai une certaine admiration pour lui. D'abord, c'est le président syrien. C'est lui qui est la cible des attaques que lancent contre lui les rebelles, lesquels sont considérablement renforcés par ce qui, dans la guerre d'Espagne, s'appelait les brigades internationales. C'est-à-dire qu'on a internationalisé le conflit intérieur syrien, puisque nos gouvernants eux-mêmes soutiennent les rebelles, à la fois politiquement et même, semble-t-il, financièrement et matériellement. Comment s'étonner dès lors que des jeunes gens veuillent s'engager pour aller mourir en Syrie, alors que le gouvernement français dit que la personne qui tient le gouvernement est un assassin? La responsabilité de M. Hollande et autres valses me paraît être directement engagée dans cette affaire, et on peut déplorer
que les djihadistes reviennent en France avec des idées de vengeance ou d'attentat, et alors qu'on est parfaitement incapable de contrôler leur action, bien sûr. Tout ça, ce sont des postures qu'il faut dénoncer. Ce qu'il faut noter, c'est l'abaissement continu du niveau de sécurité de la population française et la responsabilité écrasante que portent les pouvoirs qui se sont succédés depuis 40 ans dans ce pays, mais qui sont actuellement sous la responsabilité du Parti Socialiste et de M. Hollande, et de la gauche. Du gouvernement. Alors, un légionnaire français a trouvé la mort cette semaine au Mali. Qu'attend-on, Président, pour rappeler nos troupes? La situation, on le sait bien, s'enlisant. Non, on ne rappelle pas des troupes parce qu'on a perdu des hommes au combat. Non. À la vérité, ce qui est, je crois, préoccupant, c'est que le président Hollande s'est rendu dans cette région du Sahel pour faire une espèce de redistribution des moyens des forces françaises et un rééquilibrage de notre effort, ce qui veut dire que nous allons nous engager plus encore. Il n'est pas question de rapatrier nos troupes. Nous sommes engagés aussi bien en Centrafrique qu'au Mali et dans la région saharienne, du Tchad, du Niger, etc., dans une confrontation qui ne se limitera pas à quelques tirs de mitrailleuse, bien évidemment. Ayons le courage de le regarder en face, mais c'est beaucoup demandé à M. Hollande. Oui, mais alors d'un côté, on dissout des régiments entiers, faute de moyens, et puis de l'autre, on envoie nos troupes alors qu'on a du mal à assumer la logistique derrière. C'est sûr, c'est vrai. Et je sais par exemple que dans les unités d'hélicoptères, mais ce n'est pas seulement, on est réduit à cannibaliser un certain nombre d'appareils pour pouvoir continuer à faire voler les autres. Et cependant, je suis à peu près convaincu que malgré les promesses gouvernementales, le budget militaire va continuer à être, raboté, et que déjà nous sommes au-dessous de la limite dangereuse que devaient dénoncer, paraît-il, les chefs d'état-major de l'armée, mais on sait que pour l'instant, ils sont muets, c'est vrai, c'est la grande muette, c'est le mérite qu'elle a aux yeux de la République, c'est qu'elle ne dit rien, même quand elle est à l'agonie. Alors Anne-Sophie Leclerc, ex-candidate Front National, avait sur son Facebook comparé Christiane Taubira à un singe. Aujourd'hui condamnée à 9 mois de prison ferme, elle fait appel de ce premier jugement. Quel est votre avis? Écoutez, c'est aberrant. J'ai dénoncé sur mon tweet le Taubira self-system, n'est-ce pas? Parce que c'est une organisation fondée par Mme Taubira, siégeant dans la circonscription de Mme Taubira, qui a porté plainte, et le procès a lieu à Cayenne. Et on s'étonne que la jeune fille, la jeune femme, Anne-Sophie, ne soit pas rendue en Guyane pour son procès. Cette décision est absolument scandaleuse, mais je dois dire que, outre la condamnation à 9 mois de prison ferme, qui témoigne d'une grande débilité mentale ou d'une perversion évidente, la condamnation la plus lourde vise le Front National. Car le Front National est condamné d'une part à 30 000 euros d'amende et il est condamné solidairement à 50 000 euros de dommages et intérêts à Mme Taubira. Bon, le Front National avait sans doute prévu le danger puisqu'il avait exclu la jeune fille quand on avait su qu'elle avait posé ce petit singe et Mme Taubira sur son site alors qu'il circulait sur beaucoup d'autres sites, n'est-ce pas? Oui. Elle n'a pas, c'était pas une invention de sa part, elle a simplement reproduit, elle a retiré je crois au bout de 3 jours et elle a été exclue alors que notre règlement aurait dû simplement la suspendre comme font tous les partis en instance de passage devant la commission de discipline. Mais maintenant l'antiracisme occupe une telle part dans notre vie publique que les gens sont terrorisés et ont des réactions de crainte alors qu'ils devraient, à mon avis, faire face très carrément et combattre ce que, d'ailleurs, M. Finkielkraut, mon adversaire, avait appelé
L'antiracisme, c'est le communisme du 21e siècle. Par conséquent, il n'y a aucune raison que nous ayons à l'égard de l'antiracisme quelque faiblesse que ce soit. Mais dans cette affaire, je pense que maintenant nous devons soutenir Anne-Sophie Leclerc dans son instance, d'abord parce que nous y sommes directement engagés, et faire appel, bien sûr, et demander la délocalisation du procès et un certain nombre, prendre un certain nombre d'initiatives, procédurales, qui nous permettent d'échapper à cette espèce de dictature de l'imbécilité. Oui. De plus en plus d'agriculteurs victimes de cambriolage, surtout de matériel agricole de haute technologie, revendu ensuite dans les pays de l'Est, en tout cas traversant les frontières de l'Est de la France. Que peut-on faire On assiste à un effondrement, non seulement de la sécurité publique, mais de la moralité publique, en ce sens que maintenant, ceci apparaît comme, somme toute, assez banal, assez normal, puisque c'est la garde des Sceaux, et le Premier ministre et le Président de la République qui prennent l'initiative de démonter l'appareil pénal français de façon à le rendre de moins en moins performant à l'égard de l'insécurité, de la criminalité, de la délinquance. Par conséquent, la complicité du gouvernement est totale et les discours contempteurs de certaines de nos édiles ne vont pas à l'inverse de la réalité des faits. N'est-ce pas ? Il faudrait qu'il n'y ait plus de gendarmes, plus de policiers. Il faudrait que la loi soit plus sévère, qu'elle soit appliquée. Il faudrait construire des prisons pour mettre hors d'état de nuire un certain nombre de milliers de gens qui attendent à la sécurité des citoyens honnêtes. Hélas, nous sommes à l'inverse de cette manière de faire et ça ne changera pas tant qu'au moins que le Front National ne sera pas arrivé au pouvoir. Le Tour de France, le suivez-vous? Et la dernière étape, notamment, avec une petite victoire d'un Français? Oui, j'ai cette faiblesse de m'intéresser aux spectacles sportifs. Je le relativise, que ce soit la Coupe du Monde ou que ce soit le Tour de France. Ce sont des spectacles sportifs réalisés par des professionnels dans des conditions souvent très difficiles, très dures et qui méritent notre considération. Et même notre admiration, ce sont des gens qui se donnent beaucoup de mal, qui mouillent la chemise, comme on peut dire. Alors j'étais assez content de voir que jeune galopin en particulier avait fait briller un petit peu l'éclat du sport français cycliste, qui a certains mérites d'abord d'avoir inventé le Tour de France il y a plus de 100 ans, et en faire probablement le spectacle sportif le plus suivi du monde. Donc, écoutez, je croise les doigts, j'aime mieux que ce soit un Français qui gagne. Mais après tout, je me satisferai de ce que le sort et l'esprit sportif auront décidé. Bien, Jean-Marie Le Pen, nous nous retrouvons la semaine prochaine et après, vous prenez quelques vacances. Oui, un petit peu, oui, bien. Tout de même. Donc, celui de la semaine prochaine sera le dernier de l'été. Sans doute. Et nous nous retrouverons donc ensuite à la rentrée. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Bonnes vacances. Au revoir.